sens le plus important, c'est la présentation d'un homme. Vous savez, il y a dans le domaine de la spiritualité en Afrique, des grands hommes, Simon Kimbangu, Kipavita, et j'en passe. Et nous, nous en avons rencontré un, Guillaume Lufa Sekikwabo, et nous avons entrepris de parler de lui, de parler de sa doctrine, de parler de sa mission, de parler de son œuvre. Donc c'est une action qui commence ici au Congo et qui va aller dans le monde entier. Un essai avait été fait à Abidjan en août, fin août, début septembre de l'année passée. Et nous allons continuer fin août de cette année au Colorado. Donc c'est le lancement de cette campagne à travers le documentaire qui va être présenté aujourd'hui. Et quoi de plus normal que d'associer à cette grande activité la richesse culturelle de notre association à travers les groupes que vous voyez là, avec différents styles, différents genres. Et c'est aussi donc une façon pour notre département de la culture d'honorer, de plébisciter, de féliciter ces groupes. Donc voilà. Les difficultés l'étaient sur le plan des témoignages, parce qu'il a été difficile de retrouver certaines personnes qui ont vécu avec Guillaume Lufa Sekikwabo. Avec le poids de l'âge, avec la mort, avec les mouvements, il a été difficile de retrouver tout le monde. Donc ça a été la première difficulté, tout au moins sa difficulté la plus importante. La réalisation est interne, nous avons utilisé les moyens internes et nous pouvons dire que c'est un début parce que nous n'avons pas pu avoir tous les témoignages. C'est un début qui va ouvrir la voie à d'autres témoignages. Vous savez, tous les témoignages de l'étranger, nous ne les avons pas. Donc nous avons les témoignages du Congo, du début de la mission dans un sens officiel. Et nous allons continuer volume par volume avec tous les témoignages qui ont été vécus à l'étranger. Cette œuvre, déjà, je peux vous dire d'emblée qu'elle n'est pas à vendre à proprement parler. Et donc nous avons un site web. Et donc une campagne sera menée sur le site. Nous avons des médias en Côte d'Ivoire avec lesquels nous avons signé des partenariats. Donc nous avons au niveau du Bénin Sika TV que vous connaissez. Donc nous avons des médias au niveau international qui vont prendre le relais pour faire la promotion de ce documentaire.